Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de détruire des structures avec un fusil blaster 11. Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver les Storm Troopers, voilà. Donc les Storm Troopers, vous allez devoir suivre le vaisseau que vous voyez actuellement, donc le vaisseau de Star Wars. Et quand le vaisseau de Star Wars atterrit sur la map, vous allez voir un petit vaisseau lumineux bleu, donc une petite lueur bleue qui va vous indiquer son emplacement. Donc là, regardez, il est en train d'atterrir, le vaisseau lumineux bleu atterrit. Donc faites attention à ce petit détail parce qu'en fait, pour récupérer le fusil blaster E11, il va falloir aller tuer les Stormtroopers qui accompagnent Dark Vador tout simplement. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous rendre à cet emplacement-là, tuer un Stormtrooper, récupérer le fusil blaster E11 et infliger des dégâts à des structures pour terminer le défi. Donc moi, ce que je vous conseille, bien entendu, c'est de pas faire comme moi parce que voilà, je suis allé directement au combat, mais le problème, c'est que je n'avais pas d'arme. Donc déjà, chercher une arme. Ah. Je vais relancer une partie parce que c'était pas les bons bails. Donc voilà, deuxième tentative. Donc le vaisseau est juste là-bas, donc il est assez loin. Hein. Mais je préfère prendre ma sécurité plutôt, et me loot un petit peu avant d'affronter les Stormtroopers. Parce que tout simplement, il y a énormément de personnes qui y vont en ce moment, sûrement pour tuer Dark Vador. Donc ça va être compliqué si j'ai les joueurs plus les Stormtroopers. Donc ça va être compliqué. Il me faut au moins un minimum une arme. Donc maintenant que j'ai une arme, je vais me diriger vers le vaisseau. Et je vais tuer un Stormtrooper pour récupérer son arme. Ok, donc j'ai trouvé un petit pote là. Je le check. Non, je rigole. Mais voilà, les Stormtroopers, ils sont en blanc. Voilà, tout simplement. Donc vous tuez un Stormtrooper. Vous récupérez son arme. Dès que vous avez récupéré son arme, donc qui est le blaster E11, voilà, comme vous le voyez à l'écran, là ce que vous allez devoir faire c'est détruire 15 structures. Alors si vous êtes en mode construction, vous construisez des constructions et vous détruisez vos propres constructions, normalement ça devrait fonctionner. Ou sinon vous détruisez 14 structures. Donc ça par exemple, cette plante, c'est une structure. Donc là j'ai détruit une structure. Cette rampe là, c'est une structure, donc là, ça fait 2, 3, 4, 5. Si vous détruisez, cet arbre-là, c'est une structure. Ça, c'est une structure, mais bon, l'arbre va vous demander beaucoup de temps pour le détruire avec votre arme, donc moi, je vous conseille pas, mais voilà, ça fonctionne quand même. Dès que vous aurez détruit 15 structures avec votre arme, donc n'importe quoi que vous allez pouvoir détruire avec votre arme sont des structures, même des pierres, hein, ça c'est y compris pour une structure. Donc n'importe quelle structure que vous allez détruire. Donc pour terminer le défi, il faudra juste détruire 15 structures, désolé. Donc dès que vous aurez détruit 15 structures, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao, peace.